Bonjour à tous, c'est Bis61 et aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil Révélation. Donc pour la suite de notre aventure avec l'épisode 10 qu'on va charger et on aura le droit à un petit preview comme d'habitude. On a eu pas mal de révélations plus ces derniers temps donc ça tombe bien. Dans les épisodes précédents de Resident Evil Révélation. Directeur O'Brien, je crois que j'ai tous les éléments. Tout ça n'était qu'une mise en scène orchestrée par vous-même. Il va falloir faire vite. Bon sang, c'est un piège. Comment ça ? Ah, vous avez tout compris. Vous méritez vraiment votre salaire. Je vais essayer de trouver un moyen de ralentir le naufrage. Compris. On s'occupe du virus. Félicitations, BSA. Vos activités ont été révélatrices. Morgan Lansdell. Hé ! Quit ! Tu veux crever avec tes machines, imbécile ? J'y suis presque ! Votre destin est entre mes mains. Donc épisode 10, réseau de toiles. On sait pas ce qui s'est passé pour qui c'est Quint, on aura peut-être des nouvelles. Il a même pas compris. Quel nul. Ah, il est peut-être déjà pris, Jessica. Ouais, c'est ça. Bon, on peut y aller maintenant ? Bien sûr. On a déjà connu pire, tous les deux. Il n'y a rien de nouveau là-dedans. Ouais, comme au bon vieux temps, à l'époque du FBC. Alors, c'est quoi le plan ? On va sur le pont, on active les bastingages. Et on prie pour que le bateau arrête de couler. Maintenant qu'il y a du courant, on devrait pouvoir accéder au système de maintenance. Ok. On devrait se séparer dans ce cas. Je dois vérifier quelque chose d'abord. Ok, vas-y. On se rejoint sur le pont. Donc vous l'avez remarqué, Raymond n'est pas mort. Bon, on imagine que c'est gilet pare-balles, je sais pas trop. Donc tant mieux, puisque forcément, si je fais partie de l'équipe des gentils, ça serait dommage quand même qu'il meure. Donc du coup, alors elle, je sais pas trop où elle va, elle fait son chemin apparemment comme par hasard, hein, étrange, hein, déjà elle a voulu supprimer Raymond, bon, ça se posait des questions quand même. Donc nous on doit aller sur le pont du coup, ouais c'est ça. Alors on va passer par la cafétéria je pense, ouais, allez, on va faire comme d'habitude, cafétéria. Je sais plus si c'est de ce côté là ou de l'autre côté. Non, ça doit être de l'autre côté. Donc comme ça, on a l'occasion de jouer avec Parker sur le Queen Zenobia, hein, puisque le seul moment où on l'a joué pour l'instant, c'était à Terra Grigia. Alors forcément, ça va être un peu plus difficile avec Parker, puisque le monsieur n'a pas beaucoup de... Enfin, n'a pas d'armes améliorées, comme c'est le cas avec Jill. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il a que une herbe, donc on n'a pas intérêt à faire les rigolos. On n'a pas beaucoup de marge d'erreur, quoi. Mais on a une hache, et ça, ça change tout. On va pouvoir couper des arbres avec. Et couper la porte. Alors, tiens, c'est bizarre qu'il n'y ait personne. Donc du coup, on va aller tout droit. Et on va choper l'ascenseur en face. Ouais, du coup, il y a elle. Alors, heureusement, j'ai réussi à l'esquiver. Ah ouais, bah viens me chercher, écoute. Par contre, là, je vais pas la tuer, parce que vu que je suis avec Parker, ça m'étonnerait que on chope... Pardon, ouais, dommage. Je voulais activer la porte pour l'esquiver. Ouais, allez, comme par hasard, ça y est. Voilà. Au pire, il aurait pété, mais moi, je m'en fous, quoi, si je passe... Elle est encore là, non? Ah si. Oh là 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 là. J'ai plus de vie. Pardon monsieur. Oh putain, y en a un là aussi.
Heureusement qu'il y a les portes pour esquiver. Ça, ça va être la merde, j'ai déjà plus de vie. Alors, pont du coup. Là, on va se taper plein d'ennemis à la sortie, je suis sûr. Parker, où es-tu? Je suis presque sur le pont. J'y suis déjà. Je vais commencer à abaisser les bastingages. Waouh, t'as fait vite. C'est toi qui es là-haut, et tu me dois un autre resto. Maintenant que j'y pense, je t'ai jamais payé ce verre. Et c'était il y a un an. Pas de problème. Tu pourras te rattraper en payant un resto super classe. Ok, comme tu veux. Bouge pas, j'arrive. Parker au bord de la mort. Alors, y a-t-il du monde? Putain, je vais claquer. Ils peuvent pas me foutre une petite herbe verte, ça? Je suis sûr qu'il va y avoir des ennemis ici. Bon, je vais quand même fouiller parce que là... Là c'est la misère quoi. Bon, je vais peut-être pas en avoir besoin mais bon, vu que je suis en galère, je préfère vérifier. Non apparemment c'est bon. Et bah écoutez, allons-y à ce fameux pont. Arrête, plus un geste. Parker? Un espion a infiltré le BSA, l'agent de Morgan. C'est peut-être toi. C'est ce que Raymond m'a dit. Mais de quoi tu parles? On n'a pas le temps de... Parker, élimine-la. Raymond? Comment? Mais tu... Tu étais... Elle essaie d'activer le système d'autodestruction du bateau, pour détruire l'épreuve. Quoi? Je rêve. Vous entendez ce que vous dites? C'est pas drôle. Allez! Dis quelque chose! Parker, c'est moi! Je peux pas te faire confiance. Pas encore. Allez, laisse ton arme, mon... Un peu de cran! Ne te laisse pas avoir, Parker! Parker! Imbécile. Je savais qu'O'Brien avait un larbin. Je vais dire à Morgan que c'est toi. Jessica! T'en fais pas pour le resto. On est quitte. Désolé, Parker. Rattrape-la! Mais... Et toi, Raymond, vas-y! Et on arrive déjà à la fin de cet épisode, qui était relativement court, 4 minutes, et on n'a même pas 10 minutes de vidéo. Donc on a pu voir que, du coup, bon, on l'avait vu hein, dès le début de l'épisode, que Raymond était pas mort. Il est venu à la rescousse, malheureusement, bon, Parker ne lui fait pas tout à fait confiance, forcément, parce qu'il y a des retournements de situation depuis le début dans le jeu, donc tu m'étonnes, à sa place, j'aurais confiance en personne, quoi. Donc forcément, bon, malheureusement, il s'est pris une bastos par Jessica. Mais bon, Jessica en méchante, c'était prévisible, hein. C'est clair que... De ce côté-là, ça m'étonne pas vraiment. Je sais pas vous, de ce côté-là, mais ça qui est bien aussi dans ce jeu-là, c'est que il y a des trucs, c'est un peu cliché, donc tu te dis c'est forcément eux le méchant, etc. Enfin, eux les méchants, et en fait, t'arrives quand même à avoir des retournements de situation. Par exemple, Raymond... Faut savoir que moi, dès le début du jeu, ce mec-là, je me suis dit, putain, ce mec-là, il a quand même une tête de méchant, quand même, même s'il a une coupe un peu chelou, quoi.
tu te dis, lui, il a pas l'air d'être gentil, quoi. Et après, tu te dis, putain, en fait, c'était lui en Veltro, donc c'était bien méchant. Et puis finalement, là, hop, retournement de situation, finalement, c'est un gentil, il bossait pour O'Brien pour essayer de faire tomber Lansdell, quoi. Et Jessica, tu te dis dès le départ qu'elle, elle est un peu chelou, et puis finalement, ça confirme tes... ce que tu penses du gars, quoi. Enfin, de la meuf, pardon. Et elle est bien méchante. Mais on n'est pas encore à la fin du jeu et pourrait encore y avoir des retournements de situation. Mais j'en dis pas plus. Et c'est ça qui est vraiment cool au niveau du scénario. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à commenter et je vous dis à la prochaine pour la suite. Allez, à plus !